Aujourd'hui les amis, comme vous pouvez le voir, je suis dans une voiture puisque je vais commander tout ce que la personne devant moi aura commandé pendant 24 heures. Je vais vous commander comme ce que la voiture devant a pris, s'il vous plaît. Je n'ai jamais travaillé au McDo. Vous l'avez très bien compris, ça risque d'être très très chaud puisque je ne saurais pas forcément ce que la personne devant moi aura commandé. Donc on va se poser, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Je vous avoue que je suis pas très 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 sereine. Vous imaginez, la personne là devant moi, elle commande, c'est pas 100 euros de nourriture, je vais devoir commander littéralement 100 euros de nourriture. Bref, on va tout de suite commencer le concept. On commence avec le petit déjeuner. Il est donc 10h51, si je vais à 11h au McDo, c'est à partir de 7h-ci que tout le monde peut commander des vrais McDo menus. Et il n'y a plus de petit déjeuner à 11h, donc faut vraiment que je me dépêche, j'ai pas envie de manger un petit déjeuner là, un menu au petit déjeuner. Au midi, ça va être quick, et au dîner, ça sera encore du McDo. Franchement, je vais... la salle de sport Bref, on verra ça tout de suite. Mais avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus si vous aimez ce genre de concept. Si vous voulez une partie 2, peut-être avec d'autres restaurants, ça pourrait être vraiment cool. Oh, 30 000 pouces bleus, une partie 2. Et sans oublier de mettre le code créateur Choco de la boutique de Fortnite pour pouvoir me soutenir. Parce que là, tout ce que je vais manger là et tout ce que je vais devoir surtout acheter, j'ai vraiment peur. Voilà, vous êtes prêts, je suis prête. Mais avant que la vidéo débute, Choco, on fait quoi? On balance la pub. Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocoline Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Ok, on est clairement sur le chemin là, je suis en train de conduire, attention, c'est clairement faux en fait, je n'ai pas le permis, pas pour le moment hein. Ça se trouve je l'aurai bientôt. Non, on est clairement là sur le chemin, je dis on parce que devinez la personne qui me conduit, attendez, je vous montre les mains, devinez. Non, devinez dans les commentaires là, vous dites droit dans les commentaires, je pense que c'est ta copine, ou alors vous vous dites, je pense que c'est... je sais pas, ça peut être qui. Bah c'est à vous de deviner. Je stresse un peu, je vous avoue, je stresse un peu. Je me demande qu'est-ce que la personne en face de moi aura commandé. Et est-ce que même la personne là qui sera au drive, elle va comprendre ce que je veux en fait. Elle sera en mode quoi? La personne devant toi. Et c'est là à tout moment elle me sort. Ok, alors ça sera un menu best of, un menu Mac filet au fiche, un menu Mac first, un menu... Et je vais être là avec 150 euros de commande. Bah imagine une glace. Au petit déj, j'avoue, non, flemme. En fait, ça peut être tout comme rien. Allez, on arrive tout de suite. À tout de suite. Transition, plein de frites partout. Regardez, nous sommes arrivés là, le Mac Drive. Je vous avoue que y a quelques voitures devant, mais il y en a une particulièrement là qui s'est placée devant. Et donc, je vais devoir commander comme elle. C'est une vieille, je crois. C'est une vieille? Elle a accompagné quelqu'un. Oh, ils sont trois. Ils sont trois? Je crois que c'est deux parents, une fille derrière. On va voir combien de temps elle va faire pour parler, t'as capté? Et si elle parle longtemps, c'est à dire qu'elle va commander beaucoup de choses. C'est sûr. 5 minutes later. C'est bon, ils ont fini, c'est à notre tour. Mais tu sais, je vais lui dire qu'elle me spoile pas, mais ça va tout s'afficher à la fin. Ah bah ferme les yeux hein. Bonjour, je vais vous commander exactement ce que la personne en face a commandé juste avant. Pareil. Sans que, tout pareil sans que vous dites... Dites quoi que ce soit s'il vous plaît. Ok, alors Daphne et Gatsby. Non. Faut pas dire! Ok, ok, ok. Merci beaucoup! Il y a pas à crier comme ça. J'entends juste entendu juste deux nuggets. J'entends juste deux Happy Meal. Merci beaucoup! Merci beaucoup! En tout cas, on sait qu'il y a des nuggets, deux Happy Meal au petit déjeuner, écoute. Oui, c'est parti. Hein. T'as entendu le prix? 19€. Ok, 19€, j'avais pas entendu. Ça va. Bah, c'est pas 97. Mais moi, le seul truc dont j'ai vraiment peur pour la journée, ça va vraiment être le soir, le midi, parce qu'on va du coup revenir pour manger notre midi. Et le soir, c'est l'heure à laquelle les gens, genre, prennent le plus à manger. Tu sais, les familles, elles passent au drive. Elles prennent plein de trucs pour le soir. En plus, on est quel jour? On est vendredi? Vendredi soir! Oui, c'est vrai. On verra, écoute, on verra. On est en train d'attendre que la commande se passe. Bon, on attend et zébardi, c'est bon. Attends, quoi? Ils ont pris déjà deux sacs? Ah, c'est bon, c'est bon. Je me suis dit, imagine, genre, il y a encore un sac. Imagine. Vous me voyez vraiment bien zoomé. Ok, c'est notre tour. J'ai trop faim. C'est quoi, c'est pour YouTube? Oui, c'est pour YouTube. Vous inquiétez pas, si jamais vous voulez pas, on floutera votre tête ou. Ça ira? Let's go! Ouais, de ouf, vraiment trop sympa! Je suis tombée sur des gens dans ma vie au drive! Si vous avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai un extrait. En gros, je m'étais fait passer pour Ariana Grande au McDo dans un drive. Et mon dieu, juste, elle m'avait insulté. Je vous mets un extrait. Super Ariana, ta tête désobéira là! Merci beaucoup! Non mais. Il y a combien de sacs là? Il y a deux sacs là? Non mais. Je vois, il y a plein de trucs dedans hein, par contre. Vraiment, je vois des menus, je vois des frites, je vois des compotes, je vois des glaces. Des glaces? Non, je crois que je vois mal. On va se poser dans le parking, on va regarder ce qu'il y a dedans parce que là, ça me surprend de ouf. C'est bon, on est garé. On commence par quel sac? Littéralement, là, il n'y a pas un sac, il y en a deux. On commence par lequel? On a le ticket de caisse là, juste ici, mais en vrai de vrai, je pense que c'est toujours mieux de regarder directement, de découvrir. Moi, je vais savoir à la fin quand même. Ok, déjà, première chose, menu. Happy Meal, petit menu Happy Meal. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Oh mon dieu. Mais quoi? Ah,
nuggets, 4 petites nuggets. Bon, ça va pas être mangé. On va donner à des personnes à Webesia ou même ceux qui sont dehors. Des petites potatoes et il y a un livre, littéralement. Attends, moi, tu veux le livre, moi je veux des potatoes. Moi je veux le livre. Ça sont chaudes. J'espère qu'ils ont mis des sauces. Hein. Ah bah super le petit déjeuner. Hein. Ah j'avoue, il est quelle heure? Il doit être 11h. J'avoue, super le petit déjeuner. Mais en tout cas, moi ça me dérange pas, moi j'aime bien. Deuxième, mais il y avait combien d'enfants dedans là? Il y avait qu'une fille. Hein. Là je vois qu'il y a des frites. Frites. Encore des nuggets. Vous en voulez, vous en avez. Et on a encore un petit livre. Le... Oh là là, un bébé. Mais wesh, y'a quoi? Mais wesh, y'a quoi? Mais y'a tout, mais y'a trop de trucs. Tu sais qu'il y a encore genre encore plein de menus. On a encore des frites. Et puis on a des sandwichs. Là ça va être la découverte hein. Là on a une chance que ce soit du poisson. Nope. Et non, c'est quoi? C'est du poulet. C'est du poulet. Mais ils ont clairement oublié les sauces en fait. Non mais on peut m'expliquer, à quel moment tu vas au McDo, tu prends des trucs healthy au dessert? What? Bon après il y a quoi? Quoi? Deux mini iced tea, deux grands iced tea. C'est la pire commande. Demandez, non mais les sauces s'il vous plaît. Ça me rend aigri. Les sauces je trouve c'est trop important. En fait là tout ce qu'on a pris, je vais manger que les frites et les potatoes. J'ai le seum. Au total on va faire 4 repas genre bah petit déjeuner. On mange déjà ça au petit déjeuner. Les potatoes c'est super. Au midi je sais pas ce qu'on va manger. Au dîner je sais pas ce qu'on va manger. Dites-moi dans les commentaires vous préférez quoi entre ketchup et mayo. Mais ketchup mamma mia. Toi tu préfères quoi? Je préfère la sauce mayo largement. Après c'est à cause de toi que j'aime bien le ketchup. Mais à choisir entre les deux largement la mayo. Une ketchup c'est giga bon arrête. Non. C'est une ketchup. Je suis sûre que dans les commentaires il y aura largement sauce pomme frite. Révoltez-vous. Sauce pomme frite. Non. Sauce j'en ketchup. Suis sûre. Tu verras. On va finir de manger ça. En tout cas c'est très bon. Je vous avoue juste le seum de tout le reste que ça sera pas mangé en tout cas par moi. Voilà. Mettez tous un pouce bleu pour la suite. Pouce bleu. J'ai l'impression que ma chaîne c'est devenue une chaîne dégustation. Bon. En tout cas je vous souhaite une très bonne appétit. Bisous à tout à l'heure. Au midi. Il est 14h41, c'est l'heure de manger vraiment la sérieusement notre midi. Sauf que je me dis, attends, moi j'ai envie de manger un quick. Un quick, on ne dit pas un quick, déjà on dit un quick. Quick. Non, quick. On dit pas un quick, on dit un quick. Bref, on est en train de chercher là un quick. Oh my god, regardez, ça date les quicks comme ça. Moi lorsque j'étais petite, bon je sais que je suis déjà petite, commencez même pas à faire la remarque dans les commentaires. Mais quand j'étais petite, je mangeais tout le temps au quick avec mes parents. Mon père il me ramenait au quick. Du coup je suis contente, ça va vraiment être là, la redécouverte. Et nous sommes arrivés. Ce serait possible de commander la même chose que la personne devant nous? Avec des chips par quatre? Sans me dire tout s'il vous plaît. Oui, je vais prendre pareil sans que vous me spoiliez s'il vous plaît. Pareil sans les frites? Non! Exactement la même chose? Oui, exactement tout, 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 tout! D'accord, sauce barbecue. Non, mais si tu te fais tout! Non. Ça prend un total de 13,5€. D'accord, merci! C'est giga drôle. Non, franchement, hey, c'est giga drôle. Au revoir! Ah, trop cool! Bonjour. On a le ticket en plus qui est juste ici. Tu vas pas regarder? Absolument pas. Non, non! C'est pour une vidéo! Ah! Si jamais vous voulez être dedans, y'a pas de soucis! Bah, je m'en fous, ça me dérange pas! Bah, ouais, bah, pas de soucis! Non, franchement, hey, c'est giga drôle! Et t'es à moi, t'es là? Coco! Il est passé, vous l'êtes dans la caméra! Mais qui viennent! On va le mettre dans la vidéo! T'as c'est quoi le terme de la vidéo? Je commande genre tout ce que. Ce que les gens y prennent, c'est ça. Ah ouais? Que, enfin, ça veut dire que là ce matin on est parti au McDo, on a mangé des frites. En fait, on mange pas de porc. Ouais. Donc déjà, ils ont fait une bonne commande mais on avait rien du on tout, tu vois. Bah et bah des ouais, potatoes. Bah ouais, mais là ça va, du coup. Bah ouais, là c'est quick. C'est... Bah tu vois, voilà. Je vois, c'est bien. Je te jure. Merci beaucoup, bon courage les filles. On a la commande. En vrai là je pense que là on va bien pouvoir manger là. Là pour bien pouvoir on va bien pouvoir. En plus hyper sympa, hyper souriante, hyper accueillante. C'est pas la dernière fois là, quand on m'avait insulté. Ok on va se poser, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Il y a plein de trucs j'ai l'impression. J'ai hâte. J'espère que là il y a vraiment plein de trucs parce qu'on est deux à manger là. Ok on est arrivé, on est garé. Alors où est-ce que je vais vous poser vous parce que c'est une galère de vous poser dans ma voiture. C'est pas la mienne. On a les menus quick, on va découvrir ça maintenant. Déjà on va prendre le premier sachet là que j'ai entre les mains. Là c'est cool c'est que du coup je vais pouvoir manger tout ce que... Ah c'est hyper chaud j'ai l'impression que ce sont des frites. Des frites ok, ça a l'air d'être vraiment chaud. C'est tellement chaud que... ça tombe, elle va me tuer. Mais tu ramasses, elle me fera pas. Je ramasse après. On a... Oh là vous voyez comment je suis contente. Waouh. Attends quoi? J'en touche un truc et ça a l'air d'être vraiment froid. Oh merde. Oh, ça dégouline. Ah la caméra. Catastrophe parce qu'une vidéo ne peut pas bien se passer.
Voilà, vous pouvez clairement m'appeler Gaston Lagaffe. Mais c'était de la boisson. La boisson, elle s'est renversée. Heureusement qu'elle s'est pas trop renversée partout dans la voiture, mais elle s'est renversée sur moi. Quelle catastrophe. Fais voir ce qu'il y a. On a quoi? On a des petits chips. C'est un petit peu des... Bah, en gros, c'est des nuggets, mais appelés chips. On a avec cela un petit burger. C'est quoi comme burger? Ça a l'air d'être bien bon, par contre. Hein. C'est un méga, je crois, méga giant max. Limité et ben, dis donc, très bon choix, alors. Très contente. Et on a la moitié d'une boisson, puisque tout est tombé, tout s'est renversé. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça a l'air d'être du mojito. J'aime pas trop ça. Hein. C'est pas la menthe en tout cas. C'est pas du mojito, j'aime bien. J'aime bien. Bon goût, la personne elle a vraiment un bon goût. Et pour le coup, là, il y a des sauces. Voilà, tout à l'heure on me dit non, on doit faire comme la personne devant. S'il y a pas de sauce, on mange pas de sauce. Et ben si, voilà, là il y a des sauces. Regardez-moi ça. Trop bon. Oh mon dieu, je revis après avoir mangé des frites au petit déjeuner. Là c'est vraiment trop incroyable, vraiment. Bon appétit pour moi, bon appétit pour vous. Bisous, à tout à l'heure. Bonsoir. On est actuellement au drive, ça va être giga gênant. Genre il est clairement tard, je sais pas quelle heure est-il. Il est 21h30, c'est un petit peu froid. Et je vous assume que je suis allée à la salle de sport, voilà. Donc bref, ne jugez pas ma tenue, ma dex, c'est normal. Si je suis tout cuisant, ne jugez pas. Et ça va être trop gênant. Je vais vous commander comme ce que la voiture devant a pris, s'il vous plaît. Je vais vous commander comme ce que la personne en face a pris. D'accord. Bien sûr, 23,30€, c'est parti. Okay. Juste, nous dites pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je dois vous dire en même temps ce qu'elle a. Non, ne dites rien. Voilà, ça va être la surprise. Elle avait dit combien en fait? Du coup, ça sert de 43,30€ et la prochaine vente. Ouais. D'accord, à tout de suite. C'est sûr qu'elle a acheté des trucs. Comment ça, 43€? On va manger pour combien là? Non, mais 43€. Mais 43€. Elle avait dit 23€ tout à l'heure. Je veux un replay. Je vous prie, un replay. Elle a clairement acheté des fous. Mais peut-être c'est le concept, hein. Merci. C'est pour YouTube. Ouais. Vas-y. Je n'ai jamais travaillé au McDo. Bon courage. Au revoir. Mais wesh, trop sympa. Par contre, il y a beaucoup trop de sacs aussi. On a combien de sacs là? On a deux sacs. Oh, il y a plein de trucs. Oh. Par contre là il y a des glaces et tout. Là on va manger, bah après 43€. Mais attends, mais il a quand même dit ne venez jamais travailler au McDo. Désolé McDonald's si vous voyez cette vidéo. Je veux toujours faire un partenariat avec vous parce que moi j'ai faim. Et tout ça ça coûte cher à la fin. Bon, voyons voir ce qu'on a. Déjà on a frites. J'ai l'impression qu'il n'y aura que des frites. J'ai mangé aujourd'hui toute ma journée, j'ai mangé que des frites. Encore une frite. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non? Un CBO, ce que je suis en train de dire c'est peut-être bacon. Oui, bah oui, chicken bacon. Il y en a deux, il y a des des nuggets, etc. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi en bas. Et je crois qu'il y a des sauces pour une fois, oui. Bon appétit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous, à tout à l'heure. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter. Ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.